Bonjour à tous et à tous, ici Mat Mat TV. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo sur LAN et du coup vous apprendre un petit peu à quoi il sert et est-ce que c'est utile. Alors, LAN commence à partir du Trône euh, 4, enfin euh, Trône 2, et euh, les, les items peuvent commencer au niveau du Trône 4 si c'était événement, euh, si des, des événements précis à fort fort longtemps, mais sinon, les items vous les obtenez à partir du Trône 5. Euh, les items qui sont en dessous sont à partir du 35 également et après vous avez différents contenus assez intéressants donc là en fait le but euh, est de vous apporter un contenu clair net et précis de l'âne l'âne apparaît effectivement tous les mois donc nous avons aussi un dragon donc je vous fais un tutoriel après là dessus pour savoir ce qu'on pourrait éventuellement parler et donc du coup en fait vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne le drop rate etc bien sûr je vous ouvrir les coffres devant vous puisque le but étant de vous montrer en fait le drop rate euh, du moins pour les Trois coffres en dessous, le drop rate était d'une chance sur 15 normalement, et le, le coffre unique que vous voyez là juste au-dessus est d'une chance sur 10. Une chance 9 à 10. Et donc là en fait, euh, c'est à partir de ce moment-là qu'on va essayer de regarder après tout ça. Mais là, je vous fais d'abord un petit en vue d'ensemble d'abord, avant d'ouvrir les coffres. Donc là ensuite, nous avons différents contenus. Donc le premium est après coûtant. Donc pour ceux qui n'ont pas vraiment de moyens ou veulent se faire un moyen. Vous avez le premium à votre disposition. Toutefois, si vraiment vous voulez gagner dans l'histoire, euh, essayez de prendre plutôt le pass de cet événement-là. Euh, ça vous coûtera 10 balles peut-être, mais vous aurez peut-être environ 100 jours de premium gratuit à ne pas négliger plutôt que 2,59€ euros pour 30 jours. Après, c'est vrai que comme il apparaît tous les mois maintenant, c'est à besoin de prendre le pass d'événement Trésor si vraiment vous voulez du premium à tout prix, etc mais généralement si vous prenez le pass de l'événement trésor c'est principalement pour les ressources et pas que pour le premium ensuite vous avez le gobelin donc le gobelin sert à rien vous avez les diamants qui sert à rien non plus parce qu'en fait là vous avez 104 balles pour 21 000 diamants admettons mais vous pouvez les acheter ici si vous avez jamais acheté 104 balles vous pouvez en avoir pour 29 000 Donc ça c'est les premiers points, donc ça, ça sert à rien de les acheter. Ensuite vous avez à disposition les diamants, donc ça il faut les acheter, sauf pour l'or concernant le à partir du 8+, là par contre il ne faudra pas l'acheter. Ensuite vous avez des coffres manuscrits euh, donc également ne pas fond non plus acheter, mais c'est mis à disposition. Les animaux sont à prix coûtant. Euh, concernant le l'Abrador, le Beagle et le Chat, vous l'avez à disposition contre 5 balles. Si vous avez un joueur qui paye tout une beaucoup, mais moi-même, moi vous pouvez me demander. Euh, un virement et moi je vous donne un animal à 5 euros. Ensuite, vous avez des, des, des animaux spécifiques, euh, soit par événement ou soit par euh, tout court euh, euh, en offre, comme pour l'Amster par exemple. Là, par contre, effectivement, ils seront que disponibles dans l'AN. Hein. Et OctoPussy est situé aussi dans, euh, euh, dans les, les gifs de cadeaux à 10 balles 99. Ensuite, vous avez les skins. Donc, euh, si vous voulez des skins en double, faut d'abord acheter d'abord dans l'âne, puis après euh, l'acheter en fait depuis euh, le mode histoire euh, directement. Hein. Vous, pouvez, vous ne pouvez pas faire autrement. Ensuite vous avez des folios mais bon pas non plus pertinents. Les esprits légendaires c'est pareil, vous pouvez en acheter d'un puis l'arène qui ne vaut carrément pas son prix. Les totems c'est pareil, vous pouvez en récupérer plein dans la cathédrale, plein dans les coffres euh, là-haut dessus uniques ou n'importe, donc ça sert à rien. Les items servent à rien aussi. Euh, les insignes de bravoure également. Les capteurs d'insignes également. Les éclats, no comment. Et euh, du coup, bah, les coffres de nourriture euh, mis à votre disposition là-dessus. Donc là, en fait, là, comme ça va être moi, en fait, je vais vous faire montrer un, un, un bref boutique là-dessus. Mais euh, évidemment, euh, je vous montrerai le reste du contenu pour le 31 si vous le souhaitez, juste après euh, ce passage. Donc voilà l'aspect euh, du magasin de l'anne pour le 36. Donc là, on va d'abord ouvrir le code. Vous avez à disposition en fait, d'item event euh, en fonction du mois de ce que c'est. Maintenant, les runes, les artefacts runes et les item event Item event sont bien euh, séparés donc du coup ça sera totalement différent et spoiler et du coup j'essaierai de transmettre le mieux possible ou Jill transmettra le mieux possible également euh, les meilleures informations possibles afin que vous ne soyez pas trompé parce que effectivement nous on a reçu l'information en fait bien plus tard et du coup on se retrouve un petit peu euh, mal. Euh... À mentionner que l'item T11, T10, T11 est bien dans le coffre unique, même s'il ne vous le voyait pas apparaître là-dessus, parce qu'en fait il manque une petite case, le... Le... ça manque un petit peu de. Enfin voilà quoi. Donc là du coup on va ouvrir le coffre. Euh, bien sûr il y aura bien des vidéos euh, pour chaque item et non par event, ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Et vous montrer en fait à... qu'est-ce qu'il fait exactement et est-ce que c'est utile dans les CT, etc. Donc là, j'ai ouvert quelques coffres. Là, j'ai dû en ouvrir 5. Et donc là, j'ai direct directement l'artefact. Donc pour un drop rate qui est assez correct. Ensuite, maintenant, on va ouvrir du coup bah, les items HC. Donc euh, HC va essayer de se mettre à faire des coffres comme ceux-ci, assez fréquents, euh, avec des anciens items, comme on a eu pour la corne terrifiante le mois précédent, ou le démolisseur, etc. Donc là, en fait, HC va essayer de faire vraiment du profit là-dessus, et essayer de faire vraiment beaucoup de coffres dessus, et voir si ça peut intéresser beaucoup plus de joueurs, etc. Donc à mon avis on pourrait supposer avoir un jonglage tous les deux mois en fait de ce genre de coffre, ou tous les trois mois je pense, prochainement, je pense. Hein. Après ce n'est qu'une hypothèse, mais bon. Déjà on sait que déjà six mois après ils ont réinstauré ce genre de coffre. Donc là en fait là vous avez juste en fait à ouvrir. Euh, donc là en fait vous avez euh, des séparations. Donc là nous avons l'amulette tank, nous avons la noirchée, euh, le totem de, de mage, l'armure mage, l'arme de tank. Dans un autre, vous avez l'anneau mage, l'amulette archer, vous avez le totem tank, l'armure tank et l'arbalète, donc l'arme archer. Ensuite, vous avez l'anneau euh, tank, l'amulette archer, le totem archer, l'armure archer et, du coup, euh, la, la baguette, donc l'arme mage. Donc là, en fait, on va essayer d'en ouvrir. Donc là, nous sommes à un coffre 2, 3, 4, 5, 6,

72 corps, donc 7200 diamants claqués. Donc là ensuite on repart sur le deuxième. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc 15 pour l'amulette. 16, 17, 18, 19, 20.

46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, pour l'anneau, 60. Je crois qu'il m'en manque encore un en plus. Ouais, c'est ça. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70 coffres pour le totem. Donc 7000 diamants. Entre 7200 et 7000 diamants. Donc là, j'ai plus que 25000 diamants. Je suis... Oh, 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 yolo. Donc là, on, ensuite, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

57 pour la baguette, et j'ai tout, 57 coffres pour la baguette, bon bah écoutez je me suis fait ruiner mon budget de 21 000 diamants, donc comme c'était prévu, hein, j'avais bien prévu que c'était entre 22 000 environ de diamants à la base avant de faire cette vidéo, euh, donc voilà, donc c'est à propos des contenus du coup de l'âne et de ce que éventuellement on pouvait récupérer, donc 52 coffres ça reste comme abordable pour 5200 diamants, mais pour 7 000 et 7 000 de l'autre côté, donc ça fait 14 200 diamants, et, euh, 5000 donc, on va aller sur du 20 000 à peu près de diamants en moyenne pour tout avoir donc euh, voilà donc 20 000 donc ça fait environ 200 chances environ à peu près donc 200 multiplié par 220 diamants je vous fais vite le calcul hein. euh, ça fait un gros gros chiffre quoi ça fait environ du 440 diamants Approximatif pour le T11, donc vous voyez que ça fait vraiment excessivement cher pour tout récupérer. Euh, moi qui ai pensé à 52 000 diamants, donc non, en fait, on est vraiment sur un nombre assez conséquent quand même. Euh, toutefois, du coup, les tests se feront bien sûr. Euh, je prendrai le temps de faire chaque item euh, si c'est avantageux pour le CT, si c'est pas avantageux, est-ce que c'est méta, pas méta. Euh, en tout cas, pour ce qui concerne l'œuf précieux, bon voilà, après. Euh... Bon là du coup je vais aller sur mon T11 pour vous montrer un petit peu le shop vite fait du T11 et après je vais arrêter cette vidéo. Du coup on me revoilà du coup avec mon T11 du coup, sans du coup vous mentionner. Euh... Voilà. Alors du coup nous sommes dessus ah, again. Donc du coup le contenu est vraiment différent. Donc vous avez vu pour un T6 c'est 110 diamants là versus 710. Et de l'autre côté c'est du coup c'est 220 diamants, alors que sur le T6 c'est quand même 100 diamants. Donc vous voyez une grosse différence de, bah, de, de dépenses. Hein euh, donc du coup vous avez du coup ça en différentiel en plus parce que du coup vous pouvez récupérer des diamants par dessus euh, les coffres d'élévation sont disponibles je peux vous recommander d'ailleurs de les prendre parce qu'au final c'est plutôt utile euh, si vous n'avez pas de titan légendaire donc c'est pris coûtant c'est quand même plutôt pertinent les pierres de faille également euh, d'ailleurs je suis même un peu, un peu choqué qu'il n'y ait pas les pierres d'invocation parce que c'est vrai qu'ils pourraient carrément les ajouter les coffres mitrilles sont vachement recommandés parce qu'au final c'est vraiment pas cher pour ce que ça vaut parce que c'est quand même 600 000 euh, mitrils. 20% de gagné, c'est toujours ça le prix. Euh, concernant après, bah, les essences, après, ça dépendra de ce que vous voulez, mais ça va, c'est plutôt raisonnable quand même. Hein, c'est quand même de on va dire 2 portails et 900 diamants, mais ça reste quand même abordable. Hein. Donc vous avez toujours les animaux, donc ça c'est pas pertinent, les skins c'est pareil, euh, les folios, euh, les esprits, les totems, les coffres d'élixir, vous avez également les âmes. Donc en fait la différence, c'est que j'ai pas fait dans cette vidéo, donc la différence entre âme d'arène et âme d'armure, c'est que les items d'arène proviennent seulement de l'arène, et ont un effet spécifique propre à l'arène, et les âmes d'armes légendaires, Armes d'armure légendaire euh, ou les armes ou les armures légendaires sont des armures craft et des armes craft que vous fabriquez depuis vos salles en fait tout simplement. Pareil pour les anneaux et mulettes légendaires, etc. etc. Euh, les coffres de baie ne sont pas recommandés. Vous avez à disposition différents gemmes rouges. D'ailleurs, je suis un peu choqué qu'ils ne mettent pas tout, ça aurait pu être plus pertinent pour tout le monde. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre euh, Après, vous avez différents coffres, euh, un signe de bravoure, etc. qui reste toutefois malgré tout assez pertinent et euh, du coup voilà après ils ont pas encore ajouté du coup les ascensions euh, les ascensions de chest donc les, les, ça peut être peut-être pertinent mais bon si on estime un petit peu les prix donc vous, vous imaginez un petit peu 20% de moins que le coffre qui coûterait, donc après, ça vaut de faire le calcul, je mettrai en description le calcul directement, de combien ça peut coûter, et donc voilà. Après, en général, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me consulter dans les commentaires, je serai apte à vous répondre, cette vidéo, je vais essayer de l'envoyer assez rapidement, dans la fin de journée, si je peux, sinon, ça sera grand maximum demain, donc ça dépendra de mon humeur et du contenu que je vais apporter. Si vous avez d'autres questions à propos du jeu, n'hésitez pas, voilà, donc je serai apte à vous répondre. J'espère que du coup, cette vidéo vous a plu, euh, n'hésitez pas à poser un petit abonnement, un petit like, n'hésitez pas à activer la cloche si c'est pas encore fait. Du coup, on se retrouve dans une très prochaine vidéo. C'était Maths, et on, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis de prendre bien soin de vous. Bye tout le monde!